j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un weekly vlog. On est mardi, il est 9h15, il est quand même tôt ce matin, je suis toute prête comme vous avez vu. Là, oui, je suis en camisole. Pour moi, le printemps est arrivé, ok? Il fait vraiment beau dehors, il fait en haut de zéro, c'est le printemps au Québec. Genre, j'ai décidé, c'est le printemps au Québec. En plus, ma fête dans moins d'un mois et ma fête est au printemps, donc le printemps est arrivé. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on commence le vlog aujourd'hui un peu setupé parce que je vais vous faire un spring haul. En fait, dimanche, je suis allée magasiner avec mon amie et ça me permet de vous montrer les petites pièces que je me suis prises. Là, je vous le dis, là, on est dans le brun. Je sais pas ce que j'ai, là, j'ai comme eu une bulle dans la tête. Je ne porte presque jamais de brun et là, j'ai acheté plein d'affaires brunes. Mais c'est pas grave. Fait que on va commencer tout de suite. Donc, en fait, le plus gros du haul va être du Urban Planet parce que ben, c'est là qu'on est allé ensemble. Donc, premièrement, je me suis pris un set de jogging. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, les liens, si vous voulez les voir. Ça vaut tellement la peine. Urban Planet, je pense que c'est la plupart du temps comme ça, là, mais c'était soit 40% ou t'en achètes un, t'en as un ou deux gratuits. Bref, ça valait vraiment la peine. Fait que, premièrement, je me suis pris ces joggings-là bruns avec écrit ici California. Donc, je les trouve super beau, super long, des joggings mais normal, mais ils sont pas trop épais. Fait que pour le printemps et l'été, ça va être super parfait. Et j'ai pris le petit haut qui allait avec et il est comme un peu en polo. Je trouve que ça ressemble un peu à les uniformes de secondaire, genre privé, là. Comme ça, je le trouve super beau. Et il est écrit Malibu, California dessus. J'ai pris une photo Instagram avec ce set-là justement. Je vais vous la mettre juste ici pour que vous voyez comment ça tombe sur moi. Mais je le trouve super beau. Donc, j'ai pris les deux dans le small. Je pense que tout l'événement que je vais vous montrer, là, ça m'a coûté 50 ou 60$ pour tout ça. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Deuxièmement, ça, je vais vous l'essayer. Je vais vous le mettre ici parce que je pense que ça va être dur à montrer comme ça. Mais je me suis pris un petit top qui attache dans le cou et dans le dos. Brun, évidemment. Je vous ai dit, hein, que j'étais dans le brun. Et ici, c'est ouvert. Donc, je le trouve super beau. Il y a un petit anneau. Fait que je vais vous l'essayer puis je vais vous le mettre ici. Mais il est magnifique. Ça aussi, je l'ai pris dans le small, je crois bien. Ouais. Il était 20$ moins 40%. Ça vaut tellement la peine, je le trouve magnifique, j'ai juste le goût de l'acheter dans toutes les couleurs. Genre, il est super beau. Et puis finalement, la dernière chose que je me suis achetée, c'est un pyjama. En fait, ils ont une collection Playboy chez Urban Planet. Et je suis tombée sur ce pyjama-là qui était à 40% aussi. Et je le trouvais tellement beau que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, c'est les pantalons comme ça, comme bleu, écrit Playboy dessus. Mais c'est tellement doux, là, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'avec l'élastique comme ça... Il est long et il y a le t-shirt qui vient avec qui est exactement pareil. Mais un peu crop top avec la petite élastique dans le bas. Sérieusement, je le trouve magnifique et il est tellement doux. Ça n'a pas d'allure. Donc encore ça dans le small, je l'adore. C'est rendu mon pyjama préféré. Donc c'était ça les vêtements que je me suis acheté au Urban Planet. Et puis finalement, on est allé au Urban Outfitters. Et ça faisait longtemps que je me cherchais des colliers comme ça pour le printemps. Et je les ai trouvés là-bas. Ils étaient en solde à 20$. Et ils sont tellement beaux. Je sais pas si vous pouvez voir, là, ça fait longtemps que je me cherchais comme ça. Comme en perles roses. Il y a celui-là en haut aussi qui est super beau avec des petites fleurs, genre. En perles, puis il y a lui en bas qui venait avec. Il est quand même super beau. Mais ça faisait tellement longtemps que je me cherchais des colliers vraiment comme les deux en haut pour le printemps. Je les trouve magnifiques. Et à 20$, ça valait la peine pour les trois. Il vaut 30. Fait qu'il y avait 10$ de rabais, mais je les trouve magnifiques. Donc, c'était ça mon petit haul de printemps pour commencer le vlog. Fait que là, comme je disais, on est mardi. Je vais à l'université de 12h30 à 15h, j'ai un cours. Donc, c'est le plan de la journée. À part de ça, c'est des petits trucs à faire comme d'habitude, mais je pense que ça va être une journée assez relaxe. Je vais sûrement mettre un veston par-dessus parce que là, je vais pas aller même à l'université. Mais bref, je vous apporte avec moi dans ma semaine. Ok, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais avoir une petite discussion avec vous. En fait, cette semaine, on va essayer quelque chose ensemble et c'est les jus verts et les shots de santé. Genre, en fait, pour vous expliquer, moi puis Jean-Benoît, on essaye de se remettre un peu en forme pour l'été qui arrive et tout. Si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez pas, allez me suivre, c'est Marie Charest. En fait, comme je disais, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que moi et Jean-Benoît, on s'entraîne à la boxe. Enfin, on prend des cours de boxe au Formo Max à Québec et on adore ça. On essaie d'y aller deux fois par semaine. Et à côté, j'essaye de manger mieux parce que, honnêtement, c'est pas tant au niveau de mon poids. C'est sûr que si je perds un 5...
livres, je serais pas contente. Mais c'est plus au niveau de ma santé. Bien honnêtement, je mange de la pizza et des pâtes à longueur de semaine. Et là, ça suffit. Faut vraiment que je commence à mieux manger, à m'entraîner parce que mon niveau de cardio est vraiment faible. J'ai l'impression que j'ai pas tant d'énergie. Genre, je pourrais dormir des 9-10 heures par nuit, genre, puis comme tout le temps. Genre, je sais que à la base, j'ai besoin de sommeil, mais peut-être pas autant que ça. Fait que bref, on essaie de se remettre un peu en forme pour l'été qui arrive. Et cette semaine, je voulais qu'on essaye ensemble les jus verts. En fait, je vois beaucoup passer le monde qui boivent des jus verts, qui prennent des shots de gingembre, de vinaigre de cidre, je crois aussi. En tout cas, bref, tout ça va là vraiment santé. Et j'ai regardé sur internet les bienfaits et si ça marche, ça a vraiment des bons bienfaits. Surtout pour les jus verts. J'ai vu que ça aidait le système immunitaire, ça aidait aussi ton énergie, t'avais plus d'énergie, ça aidait ta peau. C'était vraiment une bonne source de vitamines et de minéraux. Fait que bref, on va essayer cette semaine de boire un jus vert et un shot par jour. Là, en ce moment, j'ai juste ce jus vert-là chez moi, qui est le Well, je pense que c'est Choose Well, ça. En tout cas, bref, j'ai acheté ça au Starbucks hier. Mais en fait, tantôt, après le Merci d'avoir été au IGA, et à ce que j'ai vu, ils vendent les Doses, qui est une compagnie québécoise de jus et de shots. Fait que on va aller chercher ça tantôt si j'y trouve au IGA. Mais on va commencer par lui. Fait que là, bien honnêtement, j'ai jamais bu de jus vert. Et les shots, j'en ai pris un dans ma vie au gingembre et j'ai failli mourir. Fait que je sais pas si on s'habitue aux shots de gingembre. Si vous en prenez, dites-moi là parce que sérieusement, moi j'ai failli mourir. Mais je sais que d'autres ont aussi les shots de vinaigre de cidre qui sont moins pires que les shots de gingembre au niveau du goût. Fait que peut-être ça va mieux. Fait qu'on va aller voir tantôt si on trouve ça. Mais là, on va commencer par le Well, voir si j'aime ça. Donc celui-là, c'est épinard, chou frisé, pomme, céleri, citron et gingembre. C'est sûr que ça sera pas la meilleure affaire au monde. Mais si ça l'aide, ça va être vraiment cool. Ils disent pressé à froid, sans agent de conservation, sans sucre ajouté. Et en fait, il y a quand même comme du sucre dedans, mais c'est le sucre des fruits. Puis, je sais pas s'il y a du sucre dans les légumes, mais je sais qu'il y a du sucre dans les fruits. Fait que c'est du bon sucre. Là. Fait que on va goûter ça ensemble. Là, il est 10h. Fait qu'on va essayer de prendre ça tous les matins. Sauf là, aujourd'hui, notre shot, on va le prendre en fin d'après-midi parce que je les ai pas encore. Ça sent super bon, ça sent le citron. Sérieusement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça goûte la limonade. Genre, ça goûte le citron. Ok, j'adore. Fait que bref, je vais boire ça, là. Hey, c'est vraiment bon, cette affaire-là. J'ai hâte de voir si les doses sont aussi bons. Mais lui, là, il est vraiment bon. Je m'attendais pas à ça. Fait que bref, je vais boire ça. Aujourd'hui, et on va aller en chercher d'autres. Tantôt, je vais faire un petit haul, puis on va voir. Je vais faire ça pendant 4 jours, donc d'aujourd'hui, mardi à vendredi, on va faire ça ensemble. Puis on va voir comment je me sens au courant de la semaine. Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que je me sens mieux? Puis ma peau, ben, j'ai comme des petits problèmes de menton. Fait qu'on va voir si ça l'aide. À part de ça, le reste de ma peau est quand même belle. Mais bref, on va voir si ça m'aide et on va essayer de bien manger cette semaine. Fait qu'on va voir ça ensemble, puis je vais documenter le tout. Mais jusqu'à maintenant, celui-là de Well est vraiment bon. Bon, il est 11h15, il me semble que je suis bien zoomée. Ok, il est 11h15 et j'ai tout bu le green juice de Drink Well. Il était vraiment bon, sérieusement, je l'ai vraiment aimé. Et puis là, avant d'aller à l'université, il fallait que je dîne. Donc je me suis fait un genre de petit pokéball. Dans le fond, j'ai mis du riz basmati. Ensuite, j'ai mis des edamame, des concombres, des fraises, du saumon fumé. J'aurais mis aussi un avocat, mais j'en avais pas de prêt. Et sur le dessus, j'ai mis de la mayo épicée. C'est la Fuji de chez Akisushi. C'est ma mayo épicée préférée. Fait que ça me fait comme un petit pokéball vite fait, bien fait. Donc, je vais manger ça. Et ensuite, on va aller à l'université. Bon, je viens de revenir de l'université. Il est 3h15. Et sérieusement, il fait tellement beau dehors. Ça n'a aucun sens, genre... Le printemps arrive et je suis tellement contente. Fait que j'ai arrêté au IGA. Puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, un classique, je me suis pris un macchiato au caramel de Starbucks pour mes cafés le matin. Et puis je me suis pris 3 jus verts. Il n'y avait pas de shot. C'est plate parce que la dernière fois que c'est là que je l'avais pris mon shot au gingembre, là il n'y en avait pas de dose, puis il n'y en avait pas d'aucune autre compagnie. Fait que ça va être ça. Fait que bref, j'ai pris 3 jus. Il y avait juste 2 sortes de jus verts
de dose. Fait que j'ai pris deux fois le même qui est le Focus, qui a dedans de l'ananas, du concombre et du thé secha. Je me suis dit que ça avait l'air bon. Et j'ai pris le Cactus une fois, qui est pomme, concombre et céleri. Lui dit excellent source de vitamine A et C. Lui aussi. Fait que c'est tout ça. Fait que on va goûter ça ensemble au fil de la semaine. Fait que j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont être aussi bons que lui de ce matin était. On verra. Fait que bref, c'est ça. Là, je vais prendre une petite commandation. J'ai un peu faim. Puis je vais aller avancer mes choses. Et ce soir, on va souper en famille. Je pense que ma soeur et mes parents sont là ce soir. C'est rare qu'on ait les quatre en même temps. Fait qu'on va se faire un souper en famille. Je pense que ma mère a fait des tacos. Fait que ça va être super bon. Allô, on est mercredi et il est déjà 11h15. Ce matin, disons que j'ai géré une petite urgence universitaire et j'avais un travail à faire avec une compagnie, une entreprise, et l'entreprise a complètement arrêté de me répondre. Puis mon travail est à remettre du bord réel, fait que disons que j'ai comme deux semaines et demie pour m'en revirer de bord. Bref, il fallait que je trouve une autre entreprise. Mon père m'a aidé ce matin et j'en ai trouvé une autre. Je suis tellement contente parce que sérieusement, c'était la panique. Bref, tout ça pour ça que là, il est 11h15 et puis là, c'est l'heure du jus vert. Donc, ce matin, on va essayer le Focus de Dose. J'ai vraiment hâte d'écouter. Il dit ananas, concombre et thé sencha. Toutes les affaires que j'aime. Il dit aussi ici apple juice, fait qu'il y a du... Dans les ingrédients, il y a du jus d'ananas, du jus de concombre, du jus de pomme, du thé secha, du jus de chou frisé, du jus d'épinard, du jus de citron, du jus de mangue, de menthe et du jus de jalapenos. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à ça. J'espère qu'il va être aussi bon que lui de Drinkwell hier. On va ouvrir ça. Ouh! Il sent plus les légumes celui-là que lui d'hier. On va goûter à ça. C'est pas si pire. Ok, c'est vraiment bizarre ce que je vais vous dire. Mais j'ai l'impression que ça goûte les sushis. C'est vraiment bizarre. Il est moins bon que d'hier. Mais il est pas si pire. J'ai vraiment l'impression qu'il goûte les sushis au concombre. Tu sais, les petits sushis au concombre, là. Ça goûte ça. Genre, c'est pas mauvais, c'est juste bizarre de boire ça. Ça goûte vraiment ça, les sushis au concombre. C'est vraiment bizarre. Bref, fait que je vais boire ça parce qu'aujourd'hui j'ai un cours de 12h30 à 3h30 et après ça je travaille de 3h30 à 1h du matin. Fait que c'est ma grosse journée de mercredi. Fait que bref, je vais boire ça, faire à dîner, puis après ça on va aller faire mon cours et on va aller travailler. On est jeudi matin et en fait il est 11h15 et depuis ce matin je suis dans mon cours. Le prof a pas l'air de vouloir me donner de pause, mais là je vais vous commencer le vlog de la journée parce que je m'en allais prendre mon jus vert. Donc avant qu'on goûte à ça, je vais vous dire le plan de la journée. Donc on est jeudi, j'avais un cours de ce matin de 8h30 à 11h30, donc là que je vais terminer. Ensuite je vais aller me préparer, il faut que je me lave les cheveux et tout. Ensuite, on s'en va à l'université pour un autre cours de 3h30 à 6h30. Et ensuite, on s'en va au shaker avec ma gang de la maîtrise. Donc ça, je suis vraiment contente. Ça fait 3 semaines qu'on annule notre soirée au shaker parce que la première semaine, moi, j'étais pas disponible. La deuxième semaine, il y a une des filles qui a pogné la COVID. Fait que là, on est rendu à la troisième semaine. Fait que là, c'est la bonne. Fait que je vais vous apporter avec moi, mais on va aller passer la soirée au shaker avec les filles. Ça va être vraiment le fun. Ouais, bref, là on va prendre le jus. Aujourd'hui on essaye encore un dose, mais c'est le cactus ce fois-là. Pomme, concombre et céleri. J'ai bien hâte de voir. Fait qu'il dit mélange de jus, pomme, concombre, céleri, chou frisé, citron, épinard, persil, gingembre. J'ai vraiment hâte d'y goûter. J'espère qu'il va être meilleur que lui d'hier. Parce que sérieusement, lui d'hier, au début c'était pas si pire, mais à la longue, on dirait que tu bois genre du jus de sushi. C'était pas donc bon. Ah, premièrement, lui il sent meilleur. Il sent encore beaucoup le concombre, mais il sent meilleur. On va goûter à ça. Ok. Je trouve celui-là meilleur que lui d'hier. Lui d'hier, c'était le... Je m'en souviens plus. C'est quoi? Focus? Puis c'est le cactus. Je préfère le cactus, sérieusement.
je dis pas qu'il est aussi bon que le premier de Drinkwell qu'on a pris mardi. Mais entre les deux doses, c'est mon préféré de deux. Enfin bref, je vais finir mon cours en buvant mon petit jus vert. Puis après, on va se préparer pour le reste de notre journée. Ok, je suis officiellement préparée. Je me suis lavé les cheveux, je me suis habillée. Petit outfit de l'université. Mon tricot vient du Zara et j'ai aussi mes mom jeans du Zara. Aussi simple que ça. Et j'ai préparé mon sac juste ici pour amener chez mon ami pour me préparer avec un plus beau top pour aller au Shaker ce soir. Et puis là, avant d'aller à l'université, j'ai reçu un colis. Donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je crois bien que c'est un livre. J'ai réussi à l'ouvrir sans me briser d'ongles. Il c'est bien un livre et j'avais tellement hâte de le recevoir. Ok, c'est un livre que je ne suis pas habituée de lire. Mais vous allez voir la beauté. Je capote. Regardez. Ok, c'est L'Or Olympus, le volume 1 de Rachel Smith, qui est une série sur Perséphone, qui est la déesse du printemps. Et c'est dans le fond un retelling de la mythologie grecque sur Perséone. Et en fait, elle est en BD. Genre, c'est magnifique, je capote. Tout le monde a dit que c'était tellement bon comme livre. Ok, c'est magnifique. C'est tout dans les teintes de bleu et de rose. Regardez les images. Genre, wow, là, ça n'a aucun sens comment c'est beau. J'ai juste hâte de m'asseoir et de lire ce livre-là. À ce qui paraît, il est incroyable. Genre, j'en ai entendu parler partout. Puis, ça va être la première fois que je lis un retelling de mythologie grecque. Et honnêtement, je m'y connais pas tant. En mythologie grecque, fait que j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de lire ça, mais genre ça a l'air tellement hot, sérieusement ce livre est magnifique. Je pense qu'il y a, attends on va aller voir sur Goodreads, mais je pense qu'il y a 3 tomes, mais il y en a 2 de sortis en anglais, puis là ben c'est le premier qui vient de sortir ce mois-ci, traduit en français. On va aller voir L'Or Olympus. Ouais, c'est ça, il y en a 3. Le premier que je viens de vous montrer qui vient d'être traduit en français. Il y a le deuxième qui est déjà sorti, qui est... Non, le deuillet va sortir le 5 juillet 2022 en anglais. Et le troisième va sortir en octobre. Donc, le premier que j'ai eu, le deuxième sort en anglais en juillet, le troisième en octobre en anglais. Donc, ils vont être traduits au fur et à mesure. Parce que là, le premier est sorti... en novembre. Et il vient de sortir en français, fait que ça a pris 5 mois à peu près. Fait qu'on verra si les autres, ça va prendre ça. Fait que bref, c'est un livre pas comme mes romans habituels de romance, de thriller, mais j'ai tellement de livres et il est magnifique. Fait que bref, je vais vous en donner des nouvelles. Là, j'arrête de vous parler et je m'en vais me préparer parce qu'on s'en va à l'université. Attends, je vois pas, t'es là! T'as vu ça qui est dans Lina? Je suis sérieuse! Je comprends pas comme ça, c'est ouais, c'est pas possible! Hein. Allô! En fait, j'avais pas terminé le vlog vendredi passé. Comme vous venez de voir, disons que la soirée de jeudi a été assez rock'n'roll. Et vendredi, j'étais comme ça. Fait que je vous ai pas terminé le vlog. Je voulais terminer ici. Je vais vous faire un petit retour sur les Green Juice. Je vous ai pas montré le vendredi. J'ai bu, dans le fond, le même que mercredi. Donc le Focus de Dose. Je crois lui qui goûte les sushis au concombre, en bref. Et pour faire un petit retour, honnêtement, j'ai vu quand même une différence sur mon énergie. En fait, j'ai comme un peu remplacé un de mes 2 à 3 cafés par jour par le jus et j'ai pas ressenti une baisse d'énergie par rapport à ça. Fait que ça, c'est vraiment un point positif. Deuxièmement, ma peau, je vous dis pas que c'est 100% parfait, mais j'ai vu une petite différence. Donc pour ça aussi, j'ai ressenti aussi mes ongles un peu plus durs. Je sais pas si ça... Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est dans ma tête, mais je pense que peut-être que c'est à cause de ça. Fait que c'est ça. Là, pour le système immunitaire, pour la dose de vitamines puis de minéraux, je pense qu'il va falloir plus que 4 jours pour voir la différence. Mais niveau énergie, j'ai vraiment aimé ça. Fait que je pense que je vais continuer à en boire, peut-être pas un par jour, mais peut-être 2 à 3 par semaine, ça pourrait être cool. Fait que bref, je vous en reparlerai si je continue ça. Mais c'était mon petit update sur les Green Juice. Donc, je vais finir le vlog ici. J'espère que vous avez aimé passer la semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!